Et bonjour à tous, ici Morgan von Breland. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Neo Flash sur Warfare 1997. Qui est un jeu donc de Première Guerre mondiale, Wargames, nul, nice. Ah oui, l'artiste con, le fameux. Alors, si jamais con artiste, ça veut dire maître chanteur. Option, qu'est-ce qu'il y a comme option? Visual quality haute, s'il te plaît, respecte-moi. Un peu fort. Instruction, je connais. Nouvelle campagne, oui. On va jouer du côté des British. Ouf, ou spécialisé. Je joue les Anglais. C'est parti. Donc, ce jeu, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est la guerre des tranchées. Donc, vous voyez ici, hop là, je clique là et ça envoie des fusiliers qui vont immédiatement aller occuper cette tranchée. Et ils y restent. Je peux immédiatement... Vous voyez que là, donc, il y a les Allemands qui tentent des assauts. Voilà, donc je vais... Donc, si je clique sur cette tranchée, vous voyez qu'il y a trois emplacements, donc je peux y mettre trois unités de fusillés. Et après, je peux cliquer dessus pour leur dire « Attaque !» Et je peux verrouiller cette tranchée pour empêcher les unités qui arrivent de s'y arrêter. Ouais, oui, ils repartent immédiatement à l'assaut. Sachant qu'il y a, en haut, voilà, donc il indique le terrain qu'on a pris. Et il y a également un système de morale. Si le moral ennemi tombe à zéro, ou si on capture tout le terrain, je gagne. Au support, le mortier. Nouvelle unité, l'assaut. Voilà, les unités d'assaut qui peuvent lancer des grenades. Ce qui est très bien pour capturer les tranchées. J'ai 4 points d'upgrade. 15% de morale, c'est bien ça. 10% de défense. Scan de dégâts des fusils. Renforcement 10% plus rapide. On va prendre ça. On va prendre le grog. Prendre balistique. Et on va prendre de la précision sur nos mortiers. Voilà. Downpour. Pour l'instant, je vais prendre... Alors, sachant que, donc voilà, donc, comme vous pouvez constater, plus une unité est puissante, plus il y a un temps de recharge long. Et il faut savoir que commander une unité réinitialise le cooldown de toutes les unités. Donc, on ne peut pas facilement les spammer. Après, ils sont planqués. Et ce que je vais faire... Ah oui, bien, il est classique, hein, il faut un tir de mortier... Ah, il y a toutes les unités d'assaut qui sont fait éliminer par le mortier. Vous, allez vous suicider. Voilà. Comme ça, j'aurai une unité pleine là-dedans. Et... Voilà, je commande eux. Eux, ils pourront pas s'arrêter là. Ah non, vite, barrez-vous! Sortez tous! Et nous aussi, je vais faire un tir... moi aussi, je vais faire un tir de mortier. D'accord, on s'est fait défoncer. Et... J'ai tiré mon mortier trop loin. Ah, c'est bon, j'ai touché déjà. Ouh là là là. Je peux faire des upgrades pendant le combat? Non. Et bah... Troisième équipe d'assaut qu'on va immédiatement lancer. Et hop, tac, 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 sortez tous. Et encore évidemment des fusillés normaux pour protéger la tranchée des fois que notre assaut échoue. Ah, ils ont des Gatling. Salaud. Ça lance des grenades. Ça explose. C'est Astérix.
Vous, foncez. Bon, l'ennemi est faible. Je verrouille cette tranchée. Allez, foncez, foncez, foncez. Capture le terrain. Hop là, il se rend. Parfait. XP bonus 40. Ouais, seulement 40 parce que j'ai fait un assaut nul. Du coup, je n'ai qu'un point supplémentaire. Gaz toxique, je ne sais pas encore débloqué. Et ben, on va prendre des mortiers qui tirent plus. Voilà. Take cover! Donc je commence par commander. Ah là il y a des. Oui, je sais comment ça marche. Donc des Gatling. Donc les Gatling, eux, ils excellent pour défendre la tranchée. Ils excellent à pas grand chose d'autre. Aïe! Aïe! Il lance un assaut? Ou c'est juste pour me casser les couilles? J'ai l'impression que c'est juste pour me casser les couilles. Ah! J'étais sur le point de dire que leur mortier n'était pas très précis. Clairement, j'aurais dû me taire. Ah, ils sont tous sortis, d'accord. Allez, tous nos mortiers sont morts. Ça se passe mal. Ça se passe très très mal. J'ai l'impression qu'ils vont prendre la tranchée. Oh putain, ils ont réussi à prendre la tranchée, les salauds! C'est bon, on la reprend, on la reprend, on la reprend. On l'a. Vous sortez leur casser les couilles. Ok, vous avez bien déglingué. Allez, sortez. Barrez-vous. Mortier fait presque rien. Alors, faut regarder parce que bien entendu, votre artillerie peut toucher vos propres unités. Hein. Ah! Eh bien écoutez, sortez. Sortez, sortez, foncez. Parfait. 50 XP supplémentaires, ouais. Seulement encore un point d'XP, et ben on va l'économiser. Apparemment, il y a des mines maintenant dans le No Man's Land. Donc ça va rendre notre tâche compliquée. Vas-y faire le voilà, classique, on prend 3 équipes d'assaut. Et quand on... Ah ah! Vite, 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 rentrez dans le. C'est bon, ils sont tous dans la tranchée. Dans la tranchée, on est en sécurité. Il y a 20 questions de vous regarder avec le mortier. Hop là, sortez! Tout le monde sort! Enfin, non, pas tout le monde, évidemment, on garde les Gatling de notre côté. Aïe aïe aïe, les mines! Ouah! Mais les mines ont buté tous mes mecs sans toucher les leurs! C'est dégueulasse! C'est pas juste.
J'ai envie d'une unité de fusillés de base nulle. Voir s'ils peuvent se prendre les mines à ma place. Ils sont en train de warder, sortez! Santé, santé, santé. Ah, salut. Santé, santé. Nickel, c'est passé comme dans du beurre. Oh là là là! Oh! Oh, ça avait bien mes sorties! Parce qu'en fait, j'ai surtout perdu des hommes aux mines. Mais les mines, ça compte pas. Oh, un sniper! Et de l'artillerie! Des officiers. Ouais, mais on n'a pas encore les officiers. Meilleure grenade? Oui. S'il vous plaît. Et plus 10% de défense. Non, on va économiser nos points. On va immédiatement prendre un sniper. On va essayer de voir si on peut lui faire capturer immédiatement la tranchée au milieu. Ouais, on peut. Par contre, il est tout seul. Oh. C'est bien ça. C'est très bien ça. Et du coup, la tranchée arrière, on peut se servir comme réservoir à l'unité d'assaut. Parce que cette tranchée-là, elle est extrêmement bien défendue. On a un sniper et une Gatling gun. Donc là, on va juste stocker à l'arrière plein d'unités d'assaut et on va tout leur balancer dans la tronche. Ils sont en train de prendre un assaut. Oh là là, ils font un assaut total. Oh, ils se sont fait déglinguer. Ouh! Tout le monde sort. Sortez tous. Ah, ça c'est le tir d'artillerie. Oh, il fait très très mal. Tout le monde est mort. Je peux acheter une brèle? Genre là maintenant, je peux? Oh, je peux. Pendant que moi je peux, et ben je vous fais la même, salaud. L'absenté. Oh putain, il y a les mines. Fais chier. Oui, il est bon. Il y avait, santé, santé, santé. Ah, ils ont réussi à reprendre la tranchée.
train de bombarder leur propre tranchée là. Ces abrutis sont en train de bombarder leur propre tranchée. T'as pas exagéré, non? Bah foncez, foncez. Oh, l'IA débile qui a bombardé sa propre tranchée. Bravo. Des génies. Oh là là là, 320 d'XP. Mmh. Ah, le gaz. Et l'officier, parfait. Ben, on va uniquement améliorer notre gaz. Et économiser nos points, parce que le mortier lourd contre les tanks, c'est pas encore utile. On n'a pas de tank. Enfin, les ennemis n'ont pas de tank. Pour l'instant. Prendre un officier et on va immédiatement lui donner des fusils normaux à commander. Ah, les amants, l'avantage, sont déjà ils ont une tranchée près d'eux. Si ils n'ont pas l'air d'en vouloir, donc on va essayer de foncer. Ah, si ils en veulent, ils la veulent. Mais l'officier qui reste 3 km derrière! Faut pas rester derrière! Faut avancer! Voilà! Oula, 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 oula! Pourquoi ils ont avancé? Grand Tekken ou... Qu'est-ce... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le bug! Ah, ça m'était jamais arrivé. Donc, il y a un mec qui a réussi à avancer, 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 qui a été ignoré par la horde d'Allemands dans leur tranchée. Il a fait « Eh! Je suis arrivé derrière vous, j'ai gagné !» Ils ont fait « D'accord, vous avez gagné !» Vérité, le tank. Ah, ok, là, ça va faire mal. Largeur bonus aria, c'est bien ça. Alors, ouais, on a déjà fait les deux tiers du jeu, on n'a pas tant de... Pas tant de points d'amélioration que ça, j'imagine que je suis mauvais. Allez, y a pas de tranchée. Pas de tranchée, donc on va juste laisser le tank avancer. On va prendre un officier et après des gens de Rambo, hein. Ah, quoi que non. Il faut de l'assaut. Non, monsieur l'officier, vous allez trop vite. Il faut rester avec le tank. Ah. Bon, bah, il va se rebooter. Parce que les Allemands aussi vont mourir un tank, j'imagine. Oh, l'officier est mort. Ouais, voilà. Ils ont effectivement un tank et contre un tank, et bah les grenades ça marche mieux que les fusils. J'essaie de prévoir où sera. Où est-ce qu'il sera quand le mortier peut se retrouver. Oh, oula, oh oula, oh, ils ont essayé de mortier en plein dans la tronche. Oh, oh là, on a pété vachement vite leur truc. Alors que nous, notre tank, il est intact. Ah non, il est pas intact. Ou il est pas intact du tout. On va lancer des gaz. Bon, l'ennemi est faible. Ah, et puis là, je viens de leur lancer des gaz de combat, donc... Ouais, et c'est moi qui vais les prendre. Non, arrêtez. Putain, qu'ils sont cons. Ah! Et maintenant, c'est l'ennemi qui nous gaze! Le tank, il prend pas de dégâts du gaz, si. De toute façon, ça se dissipe. Ça se dissipe, donc. Oh, un officier! Ouh!
Bon, on va rater là en fait parce que moins je déploie d'unités, mieux je m'en sors. Enfin mieux, plus j'ai de points, plus j'ai de points. Et ben moi je veux des points. Attends, c'est mieux si je déploie plus d'escouades. Ok. Ah, tir spécial anti-tank. Aucun point d'amélioration. Ok. Je l'entends. Le tank allemand. Rifleman. On va essayer de prendre les tranchées le plus vite possible. Avancez, avancez. Je pense. Ouais, ils ont eu la même idée. Avancez, avancez. On va s'arrêter là. Avancez, monsieur. Faut surtout vous arrêter là. Péter leur tank, ça c'est la bonne nouvelle. Ils ont pété notre tank, ça c'est pas une bonne nouvelle. Sortez, à l'assaut! Oh non, les mines! Les mines qui pètent que pour nous, c'est pas juste. Ah! Un tank! Ah bah. Je pensais pas que ça passerait. Moi, j'essaie d'économiser des points pour acheter un deuxième tank moi aussi, mais bon. Ok, dernier truc. Elle a plus de dégâts au tank que par les mortiers. Parce que de toute façon, c'est la dernière bataille. Ah, qui va être très difficile parce que les ennemis ont une tranchée, mais pas nous. Ils ont deux tranchées même. Et comme les tanks sont très lents, on va pas avancer pour l'instant. Tiens, je remarque que les officiers se rechargent plus vite que les snipers. Ouais, Los Gastlos, si je veux d'abord. Ils décident de sortir de la tranchée pour affronter le tank. C'est couillu. Ceci, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de grenades. C'est que unités d'assaut tout ça! Eh mais mon cochon! Moi j'appelle un deuxième tank. Parce que le mien il est en train d'être cassé. Ouais, let's get close. Let's get lost. Putain, ils résistent leur tank. Ah, il y a encore des mines. La crevée, oui. Notre morale est bas. Notre morale est remontée parce qu'on a détruit un tank. Notre deuxième tank est. Quoi?
raison du lune. Ah! On essaye. Alors, c'est immédiatement envoyer des hommes nuls pour essayer de se bouffer toutes les mines. Et après, on va attendre pour envoyer des vraies grosses unités. Ouais. Quoi? J'ai déjà pété notre tank? Mais comment? Déjà pété notre tank. Grand Lost. Mais... Mais les tanks servent à rien. À quoi sert qu'il soit un tank qui se fait atomiser, s'il se fait atomiser Ouais, let's get lost, je t'emmerde. Parle-moi mieux d'abord. Mine ici. C'était vous qui étiez censé vous prendre les mines, parce que vous êtes moins important. Et eux, ils en auront pas un tank. Ah si, voilà. Il a pété un jour leur saloperie de tank. Enfin, on a réussi à capturer une tranchée. Ça? Bon, j'en ai rien à foutre. Foncez. Ah! Un autre tank! Non, on a gagné! Il a pas eu le temps de penser le bout de son nez. Les stats de la campagne. Oh, j'ai peur. Ouais, voilà, j'ai tué 171 soldats, j'en ai perdu 144. Ah, y'a pas mal! Je me suis fait péter le tronc deux fois sur la dernière mission. J'ai utilisé surtout des unités d'assaut. Ce qui est normal, hein, parce qu'elles se rechargent beaucoup plus vite que tous les autres. Ouais, j'ai eu que des victoires au terrain. J'ai eu une défaite au terrain et une défaite au moral. Bon! Et bah, c'était. Custom Battle. T'as mon téléphone qui sonne à ce moment-là. C'est ma mère! Bah, ça tombe bien parce qu'on a fini! Donc, au revoir à tous et à la prochaine!